Bonjour les amis, c'est Jean-Luc. Je vais vous présenter une maison. C'était un ancien monastère qui se trouvait à Fossorbes, route de Fontenille, dans le 31-470, et ça s'appelle le Banari, maison familiale et des grands-parents, que mon père a travaillé la terre il y a des années et qu'ils ont démoli, bien sûr. Allez, c'est parti. Les anciens de Fossorbes l'ont connu. Ils l'ont démoli il y a plusieurs années, hein. C'est dommage. C'était un genre de monastère. C'est la maquette que j'ai reproduite hein, par les photos que j'avais et tout. Hein. Avec mes frères qui sont plus grands que moi, ils m'ont dit comment c'était. Voilà. Mais moi, je l'ai connue, mais elle était en ruine. Hein. Il n'y avait plus rien. À l'époque, j'aurais pu faire des urbex, comme j'ai fait des urbex. Et là, je regrette. J'aurais dû en faire avant. Et aujourd'hui, il y a plus de 100, il y a au moins 150 maisons dessus. C'est-à-dire le superficie de la terre qu'il y avait, les hectares. Ça touchait de Fossorbes à Senlis, dans la Haute-Garonne. Alors, il y en a qui ont dû connaître de Fossorbes, si ce sont de Fossorbes, les anciens. Ça appartenait à la famille Lingis, que mon père a travaillé autant la terre là. Hein. Eh oui, je me rappelle, j'étais tout petit. Et voilà. Alors je l'ai reproduit. Parce que mon père, à l'époque, il nous faisait les maquettes pareilles de cette maison. Trois ou quatre, il a dû en faire. Alors moi, j'ai fait la plus grosse. Voilà. Elle est magnifique, hein? Aujourd'hui, il y a 150 maisons au moins. Peut-être un peu plus. Sur la terre de ce ancien monastère. Voilà, allez, c'était un petit aperçu de cette belle maison, du moins ce que c'était avant. Hein. Et moi, dedans, j'ai mis le Bluetooth, j'ai mis tout, les lumières et tout. Voilà, aujourd'hui, on est moderne. Allez, je vous remercie. Regardez, il y a les lumières et tout dedans. Allez, merci. Nous sommes en 2024. C'était Jean-Luc. À la prochaine. Au revoir.